Merci de prendre place. On va donc poursuivre cette journée de lancement donc, du projet Science 2024, une journée décidément très rock'n'roll. Mais merci d'être là. Et on va prolonger l'après-midi et je vais rappeler tout de suite le directeur général de l'École Polytechnique, François Boucher. Merci pour vos encouragements. Donc, on reprend donc un rythme assez effréné, finalement, une journée passionnante, pour vous dire que nous avons l'honneur d'accueillir la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et d'Innovation, Frédérique Vidal, donc, qui nous fait donc l'amitié, je pense, de témoigner également de tout l'intérêt pour le ministère de ce type de projet, grand projet, qui lie donc, comme on l'a vu ce matin, le sport sous toutes ses dimensions et l'excellence scientifique et de recherche. Vous dire aussi que, comme ça a été signalé, la journée est riche en rebondissements, puisque nous avons une nouvelle ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu, qui était avec nous ce matin comme professeure de sport, professeure de natation, et qui donc a dû, bien sûr, nous quitter précipitamment pour prendre ses nouvelles fonctions. Donc, avec tous nos encouragements, évidemment. Donc, sans plus attendre, je vous propose, Madame la Ministre, de venir à la tribune. Merci d'accueillir donc Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Directeur général de l'École Polytechnique, Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord dire un mot pour rendre hommage à l'action de Laura Flessel, action qu'elle a menée comme ministre des Sports depuis 16 mois. Dans ce domaine, comme dans tous les autres domaines, de profondes réformes ont été engagées, et en particulier la refonte du modèle sportif français et de sa gouvernance. Naturellement, son mandat restera marqué par l'obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, pour laquelle elle a fait adopter la loi olympique. Je voudrais très sincèrement remercier Laura Flessel et son cabinet pour tout le travail accompli conjointement durant ces 16 mois, dans le cadre notamment du comité de concertation pour les métiers du sport et de l'animation, car grâce à ce comité, plusieurs avancées notables ont pu être réalisées, et j'en citerai deux. L'ouverture des CREPS en formation initiale, afin de desserrer la contrainte sur les formations en STAPS, et l'ouverture de discussions sur l'existence de blocs de compétences communs entre les formations du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et les formations jeunesse et sport. Cela n'est pas anodin, puisque grâce à cela, des passerelles sont offertes à nos étudiants pour une meilleure réussite et un meilleur accès à la carte professionnelle pour les métiers de l'encadrement sportif. En matière de recherche et d'innovation, un travail conjoint important a aussi été mené pour l'installation de Living Labs du sport visant à augmenter le nombre de pratiquants sportifs ou sur la montée en puissance de l'effort de recherche sur le sport. Je profite aussi de ce moment pour saluer bien sûr ma nouvelle collègue Roxana Maracineanu que vous connaissez très bien ici. Et je tiens à vous assurer que dans tous ces domaines, ce travail commun continuera car la science et le sport ont beaucoup à gagner d'une collaboration renforcée au service de la société. En particulier, la recherche et le sport de haut niveau sont des partenaires à la fois complémentaires, mais aussi unis par une expérience commune, celle de l'exigence et celle du dépassement de soi dans un univers de plus en plus compétitif. Un monde de rêveurs, mais des gens qui vivent leurs rêves. C'est ainsi que le pentathlonien Joël Bouzou décrit le sport de haut niveau. Mais c'est une définition qui finalement convient tout aussi bien à la recherche. L'excellence scientifique et la performance sportive sont l'une comme l'autre une affaire de possibles que l'on explore, d'impossibles que l'on défie, de limites que l'on teste et de frontières que l'on repousse. Et c'est un rêve de médaille qui rassemble aujourd'hui les chercheurs, les étudiants et les sportifs à la faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront à Paris en 2024. Dans une compétition de ce niveau, la victoire se joue sur un battement de paupières, sur quelques millièmes de seconde, et c'est ce supplément d'excellence qui fait toute la différence. C'est ce supplément d'excellence
que la science est capable d'aller chercher, à condition de savoir elle-même jouer collectif. Et c'est tout le sens du projet Science 2024 qui, au-delà de l'objectif des Jeux, porte l'ambition de renforcer les liens de confiance entre la recherche et le sport. Gestes, tactiques, préparation physique et mentale, équipement. Aujourd'hui, la science analyse la performance sous toutes les coutures en multipliant les angles de vue. Des statistiques à la physiologie, des sciences des matériaux à la biomécanique, ce que la science propose, c'est finalement un autre regard sur la pratique sportive, complétant le ressenti du sportif et l'œil du coach. En aviron, comment peut-on être certain que les corps rament à l'unisson ? Quelle est la largeur optimale des pneus des fauteuils de course ? Mesurer la synchronicité ou les frictions, seule la science peut le faire avec objectivité et précision. Et c'est à ce type de questions concrètes que Science 2024 va pouvoir répondre en mobilisant la grille de lecture des mathématiques et de la physique. Car finalement, on peut voir la course comme un exercice de mécanique, le saut comme de la balistique, le badminton comme de l'aérodynamique, et l'exploit sportif comme un défi lancé à toutes les lois qui les régissent. Tout en sachant que le sport, c'est aussi beaucoup plus que cela, et que la performance, bien sûr, n'est jamais réductible à des équations, des courbes, des statistiques, car la dimension humaine y est naturellement prépondérante. Par conséquent, si la science peut modéliser le swing parfait, évaluer les qualités de glisse d'une coque ou d'un ski, étudier le saut de bouche sur le tir à la carabine, mesurer l'efficacité des différents types de départs en starting blocks ou établir mathématiquement la composition idéale de l'équipe de France, comme l'ont fait 4 étudiants de Polytechnique en croisant divers types de données, elle ne peut néanmoins pas décider. Elle ne peut, et c'est déjà beaucoup, qu'éclairer. Et c'est tant mieux car nul ne sait si nous aurions gagné la Coupe du Monde si Didier Deschamps avait suivi la sélection de l'X. À chacun son métier, donc, et à chacun sa place. La science décrit, mais ne prescrit pas. Elle ne produit pas des méthodes d'entraînement, mais de la connaissance qu'elle met au service des sportifs. Or, le sportif, c'est à la fois l'athlète et l'entraîneur. La mécanique de la performance a, elle aussi, ses rouages clés et ses couples stratégiques dans lesquels la science n'a pas à interférer. Ce qui ne l'empêche pas de se positionner au plus près de l'athlète et de son potentiel grâce à l'essor des technologies, à la miniaturisation des capteurs, des GPS et des caméras qui permettent aux chercheurs de sortir du laboratoire pour aller sur le terrain. Grâce à ces nouveaux instruments, le chercheur parvient à objectiver et peut ainsi nourrir la pratique sportive. Interprétation, transcription, codage, déchiffrement, la science et le sport ne parlent pas la même langue et tout l'enjeu est donc de leur permettre de se comprendre, d'éviter les barbarismes et les discours scientifiques en décalage avec l'horizon d'attente des sportifs. Mais si la traduction est l'épine dorsale du partenariat entre la science et le sport, cela signifie que l'on a besoin de passeurs et de structures d'interface et c'est justement ce qu'apporte Science 2024. Science 2024, c'est tout d'abord pour moi un état d'esprit. Et le seul qui vaille dans le domaine sportif comme ailleurs, c'est l'esprit d'équipe. Pour gagner, il faut réunir le meilleur des deux mondes. C'est pourquoi, aux côtés de sportifs de haut niveau, vont se tenir des talents scientifiques, chercheurs ou étudiants, issus de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, parisiens et lyonnais, du CNRS, de l'INSEP. Et je me réjouis que vous ayez l'intention d'allonger encore cette liste. Bravo à tous pour cet engagement dans cette belle aventure collective qui vous conduira à mener pas à pas pas moins de 500 projets de recherche couvrant 60 disciplines olympiques et paralympiques. Toutes les équipes ont leur capitaine et je tiens à remercier l'École Polytechnique et Christophe Clanet pour la capacité d'entraînement dont ils ont su faire preuve auprès de leurs partenaires académiques comme des militaires qui apporteront également leur expertise. Vous le voyez, cette dynamique collaborative irrigue le projet de part en part, des bureaux des ministères jusqu'au stade, en passant par les laboratoires où travailleront les chercheurs et les étudiants. Et c'est cela, je crois, une équipe qui gagne,
C'est une équipe qui sait faire de ses différences le moteur de sa réussite, à condition de s'appuyer sur une tactique partagée. Or, Science 2024, c'est aussi une méthode que l'on pourrait résumer ainsi. Garder les yeux et l'esprit grand ouverts. Chercheurs et étudiants vont en effet s'attacher aux fondamentaux de la démarche scientifique en donnant la priorité à l'observation sur le terrain et à l'échange avec l'athlète et l'entraîneur dans le but de faire émerger des problématiques sportives qu'ils traduiront ensuite en projets de recherche. Mais faire preuve d'ouverture, c'est aussi capable de ne pas regarder les questions de performance uniquement par le petit bout de la lorgnette, mais au contraire les resituer dans une perspective plus large qui englobe tous les aspects de la pratique sportive, jusqu'à la relation entre le coach et l'athlète. Élargir ce champ de vision nous invite donc à élargir le champ des disciplines scientifiques susceptibles de jeter un éclairage pertinent sur la performance. Aujourd'hui, ce sont essentiellement la mécanique, la physique, les mathématiques qui sont mobilisées, mais demain, les sciences cognitives, la psychologie ou encore la sociologie pourront aussi apporter leur pierre à l'édifice de la performance. Voilà qui trace donc un beau chemin d'avenir pour Science 2024, au-delà des Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu dans 6 ans. S'il est essentiel de voir loin, c'est parce que la relation entre la science et le sport est plus féconde encore qu'il n'y paraît. Non seulement elle n'est pas à sens unique, mais elle n'est pas exclusive. Les fruits de cette collaboration profitent en effet à la société tout entière, en empruntant 3 chemins privilégiés, l'innovation, la santé et la sérendipité. Nous savons combien la rencontre entre des mondes différents est un terrain propice aux innovations, et le sport et la science n'échappent pas à cette règle. Au carrefour de leur pratique et de leur culture sont susceptibles de naître des innovations technologiques en matière d'équipement ou d'instruments de mesure. Et c'est la raison pour laquelle Science 2024 a aussi choisi de s'inscrire dans un écosystème de start-up et de PME qui bénéficieront de toutes les mesures que Bruno Le Maire et moi-même mettons en place pour faciliter et accélérer le transfert des connaissances scientifiques vers l'entreprise. D'autre part, le sport de haut niveau est à la fois un promoteur de la pratique sportive, dont l'effet sur la santé est si bénéfique, mais aussi un formidable révélateur de questions de santé parce qu'il donne à voir le corps dans un fonctionnement optimal ou extrême. Ainsi, le département de physique du sport du laboratoire d'hydrodynamique de l'École polytechnique a mené des travaux sur le muscle en haltérophilie qui permettent non seulement de perfectionner les techniques d'entraînement, mais aussi de diagnostiquer des pathologies musculaires sans avoir recours à la biopsie. De la même manière, les travaux des chercheurs sur les pneus des fauteuils utilisés par les athlètes en e-sport déborderont largement le cadre des pistes pour venir améliorer le quotidien de toutes les personnes handicapées. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun son métier. Ça signifie qu'il n'est pas question pour le chercheur de se prendre pour un coach, sauf pour encadrer ses doctorants, mais ça signifie aussi qu'en se mettant au service des sportifs, il n'abandonne pas pour autant sa posture de chercheur, sa passion pour la connaissance en soi ou sa curiosité sans limite. Celle qui le pousse à questionner sans cesse ses résultats, à emprunter des chemins qu'il n'avait pas prévu de suivre et à trouver ce qu'il ne cherchait pas forcément. C'est ainsi que l'optimisation de la trajectoire du volant de badminton peut mener à augmenter la portée d'une lance à incendie, car l'un et l'autre suivent le même type de courbe non parabolique, comme l'équipe du LADIX en a fait l'expérience. Autrement dit, les découvertes qui seront faites dans le cadre de Science 2024 pourront être utiles dans des domaines qui n'ont a priori rien de commun avec le sport, car c'est ainsi aussi que progresse la connaissance par ricochet. C'est parce que recherche de haut niveau et sport de haut niveau, valide et handisport ont tout à gagner à renforcer leurs liens au service de la performance sportive de nos athlètes, tout particulièrement aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, et bien au-delà au service de notre société tout entière, que nous aurons l'occasion d'évoquer prochainement avec la nouvelle ministre des Sports et avec l'aide du secrétaire général pour l'investissement, la mobilisation de financement du PIA3 dans ce domaine. La capacité à entraîner toute la société dans le sillage des Jeux olympiques et paralympiques est un marqueur fort
de la candidature de Paris. Science 2024 prouve d'ores et déjà que cette promesse sera tenue. Le monde de la recherche s'engage résolument aux côtés des sportifs pour les accompagner dans la course aux titres olympiques, dans l'amélioration de leurs pratiques et au-delà, dans une quête de perfection qui bénéficie à l'ensemble de la société. Car finalement, c'est peut-être cela la véritable performance, l'accomplissement d'un potentiel qui n'est finalement pas seulement celui du sportif, mais bien celui de l'homme en général. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Merci pour votre message, message fort, et vos encouragements surtout, et on en a bien besoin pour le lancement de cette opération et de ce projet Science 2024. Alors, on en a parlé, beaucoup d'outils sont à disposition des sportifs de haut niveau déjà aujourd'hui, et évidemment, Science 2024 vient en complément presque naturel de tout ce qui existe déjà pour performer et pour améliorer le potentiel de médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et pour en prendre encore un peu plus conscience, on va maintenant aborder plusieurs facettes de témoignages entre un chercheur et le sport de haut niveau. Et donc, on va accueillir différents binômes sur le plateau. On va commencer par la Fédération française d'aviron. Et pour ça, j'appelle tout de suite Hugo Maciejewski, pardon si je le prononce mal, conseiller technique sportif donc à la Fédération française d'aviron. Et donc, Jean-Philippe Boucher, qui, lui, est un chercheur, cofondateur de la start-up Feeling, donc on n'en a pas fini de parler, qui va donc nous faire un éclairage sur sa thèse à l'École polytechnique. Bonjour. Bonjour. On sent la main. Bienvenue à bord. Voilà. Donc, parlez-nous de votre expérience. Vous êtes paxé quelque part sur ce projet ambitieux. La start-up Philippe, on en parlera tout à l'heure encore un peu plus sur les capteurs. Comment vous vous êtes retrouvés et comment ça fonctionne tous les deux entre la Fédération d'Aviron et donc Science 2024? Alors en fait, la rencontre avec Jean-Philippe et Romain Labbé, elle s'est faite un petit peu naturellement, notamment à travers les travaux qu'ils menaient au sein du laboratoire LADIX. En qualité de responsable de la recherche à la Fédération, bah, naturellement, je me suis un petit peu rapproché de Christophe, parce que j'avais entendu dire qu'il faisait un certain nombre de travaux sur l'aviron. Et puis, dans le cadre de cette rencontre, eh ben, naturellement, j'ai pu rencontrer Jean-Philippe et Romain, qui m'ont présenté leurs travaux de thèse. Et puis, la collaboration s'est faite tout naturellement. Nous, Fédération, on avait un intérêt à découvrir ce qu'ils faisaient au sein de leur laboratoire. Parce que sur les bateaux, hein, particulièrement, c'est ça? Exactement, essentiellement sur l'activité aviron. Alors, tout à l'heure, ils en parleront, Jean-Philippe en parlera, sur notamment la synchronicité et les longueurs des avirons. Nous, on avait besoin, c'est toujours intéressant d'aller rechercher de la connaissance, même si on n'a pas forcément naturellement cette sensibilité à se dire, bah tiens, la synchronicité, c'est quelque chose, c'était pas une question finalement qui nous venait à l'esprit. Et finalement, les travaux de Romain, par exemple, nous ont apporté des éléments de réponse que l'on n'avait pas forcément et donc qui sont toujours intéressants pour venir alimenter un peu la culture scientifique de l'activité. Romain ? Jean-Philippe. Jean-Philippe, pardon. Oui, ça fonctionne. Ça marche. Oui, nous, en fait, on a commencé à travailler sur l'aviron un peu avant de rencontrer Hugo. Ça a été un travail qui a été initié au laboratoire parce qu'on avait un passionné d'aviron au laboratoire et qui a un frère qui est en équipe de France d'aviron aussi, donc c'est Timothée Mouterne. Et du coup, la question, c'était effectivement, parce que c'est une remarque de Christophe Clanet qui nous avait interrogé sur le fait que dans la nature, on n'observe pas beaucoup d'animaux qui se déplacent en synchronisant leurs membres. Et en particulier, les crevettes, par exemple. Ah, les crevettes. Elles se déplacent, elles se propulsent donc dans l'eau. Christophe Clanet pêche la crevette, ça c'est l'information exclusive. Et en observant les crevettes, il a donc vu qu'elles ne se déplaçaient pas de façon synchrone. Voilà, elles n'activent pas leurs pattes de manière synchronisée. Et donc on peut voir une onde qui se propage lorsqu'elles se déplacent, une onde au niveau de leurs pattes. Et donc la question c'était pourquoi est-ce qu'en aviron, on ne fait pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'on ne se désynchronise pas pour aller plus vite? Parce que ça permet de réduire les fluctuations de vitesse. Et donc concrètement?
Et donc, alors j'avais une présentation pour illustrer tout ça. Ah bah on y va, mais... on est parti, avec plaisir, je suis impatiente. Allez-y, mettez-vous au pupitre. Tu commences ou je commence? Bah comme tu veux, si... Faites comme vous aviez prévu de faire, en bio. Voilà, ça fonctionne, voilà, tout simplement. Donc en fait, moi, ma présentation, elle va essentiellement s'orienter sur la fameuse journée d'extraction dont déjà évoqué Christophe et plusieurs intervenants. D'abord, je tiens à remercier Christophe de son invitation. Enfin, ton projet que tu tiens à bout de bras depuis maintenant plus d'un an se met enfin en place de manière officielle. Alors, la Fédération d'Aviron, d'une manière générale, a pris un petit peu les devants, comme d'autres disciplines, en organisant sa journée d'extraction au printemps dernier. Cette journée d'extraction, je souhaitais qu'elle ait lieu au cours d'un stage en équipe de France, pour bien marquer, en fait, le lien qu'il y a entre Science 2024 et le haut niveau. L'idée, c'était absolument pas de décontextualiser les deux. Donc, on a profité d'un stage de l'équipe de France masculine sur le site de Belsin, dans le Jura, pour faire cette journée d'extraction, qui a regroupé les entraîneurs du collectif olympique masculin, de 4 entraîneurs, des membres de la mission d'aide à la performance de la fédération, et en l'occurrence notamment Sophie Barret, qui est ingénieure de recherche et mécanicienne et qui travaille au CREPS des Pays de la Loire et qui assure les mesures mécaniques des équipes de France depuis maintenant une quinzaine d'années. Et puis de l'autre côté, on avait un groupe de chercheurs venus de la région parisienne et de la région lyonnaise. Et dans ce groupe de chercheurs, on avait la chance d'avoir des spécialistes de l'aviron. Je pense notamment à Pascal Bahuot, un ancien international d'aviron. C'est lui qui a mis en place le fameux bateau laboratoire que l'on utilisait il y a encore quelques années pour faire les mesures mécaniques sur les rameurs de l'équipe de France. D'autres spécialistes en tant que rameurs, je pense notamment à Donatien Vast, qui rame au club de Caluire. Et puis on avait des chercheurs qui n'étaient absolument pas spécialistes. Et cette non-spécialisation de l'activité, finalement, c'était une plus-value parce que ça nous apportait un éclairage nouveau, une façon de voir les choses un petit peu différente sur notre pratique. Alors, cette journée d'extraction, j'ai voulu qu'elle soit absolument... que les entraîneurs soient au cœur de cette journée. Il fallait que les différents projets qui émanent de cette journée viennent des entraîneurs. Donc la première chose que l'on a fait, lorsque les chercheurs sont arrivés sur le site d'entraînement à Belsin, on a organisé pendant 2 heures une montée, c'est-à-dire que les chercheurs sont allés sur l'eau en bateau moteur avec les entraîneurs, de manière à s'imprégner de l'activité, mais pas simplement à travers l'observation, également à travers les différents commentaires, les différents consignes que les entraîneurs donnent aux athlètes. Donc ça, c'était le premier point, qui est une espèce d'immersion des chercheurs dans l'entraînement du haut niveau. Alors à la suite de ces 2 heures d'immersion, on a fait un petit débriefing entre scientifiques, histoire de faire un petit peu le bilan de l'action sur l'eau, d'essayer de formaliser ce qui avait été observé, de traduire un petit peu les différentes consignes en considération un petit peu plus scientifique. Et puis l'après-midi, troisième temps, où ça a été un échange vraiment privilégié entre les entraîneurs, les 4 entraîneurs du collectif, et puis les chercheurs, où là, cet échange a permis de formaliser véritablement les attentes des entraîneurs, c'est-à-dire que les questions de terrain, c'est à ce moment-là qu'elles ont vraiment émergé. Et ça nous a permis de définir un certain nombre d'axes de travail qui nous ont permis par la suite d'envisager un certain nombre de projets. Alors, à l'issue de cette journée d'extraction, l'équipe de Science 2024nous a fait parvenir un document qui a rédigé, qui nous a permis en fait de formaliser l'ensemble des projets de recherche qui avaient été évoqués au cours de cette journée d'extraction. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. Et on avait une base de travail sur laquelle travailler par la suite. Alors,
Deux autres aspects qu'il a fallu considérer en fait dans l'organisation de la relation Sciences 2024 et Aviron, à travers deux thématiques, c'est un, la transversalité. Il était important que les différents projets de recherche qui soient retenus soient transversales à l'activité Aviron. Quand j'entends la transversalité au sein de l'activité Aviron, c'est-à-dire que les projets de recherche puissent servir sur les embarcations dites courtes, sur les embarcations longues, que ce soit les hommes ou les femmes, que ce soit la couple ou la pointe, il fallait absolument que l'on arrive à dégager des projets suffisamment transversaux pour que l'ensemble de l'équipe de France puisse en bénéficier. Ça a été le premier point. Et le deuxième point, ça a été la temporalité. On sait très bien que le caractère un petit peu urgent du haut niveau se différencie un petit peu de la recherche académique. Et donc, il a fallu qu'on arrive à trouver un équilibre entre des projets à plus court terme, où on pouvait apporter des réponses de manière assez rapide aux entraîneurs et aux rameurs, et puis des projets un petit peu plus long terme, où ça nous permettait d'avoir une ligne directrice dans laquelle on pouvait s'inscrire jusqu'au jeu de 2024. En prenant en considération cette transversalité et cette temporalité, ça nous a permis en fait de prioriser 10 projets, une hiérarchisation qui a été réalisée. Cette hiérarchisation, elle a été faite en commun accord, bien évidemment, avec les entraîneurs du groupe homme, les entraîneurs du groupe femme, l'ensemble de la DTN, du directeur technique national. On a validé ça ensemble. Voilà, c'était une démarche collective. C'était important que tout le monde soit impliqué dans ce dispositif. Et on se retrouve donc avec ces 10 projets qui vont, on l'espère, avoir lieu et être ventilés sur l'ensemble des écoles partenaires du projet, selon les compétences de chacune des écoles. Alors déjà, on peut retenir que le projet 5 sur la synchronicité va faire l'objet d'un travail ici en interne. Je pense que Christophe en a déjà rapidement parlé ce matin. À travers un outil qui a été développé par Caroline Cohen sur le rugby et qui va nous permettre, en le transposant à l'aviron, de mettre en évidence des problèmes de synchronicité, alors entre l'action des membres inférieurs, l'action des membres supérieurs, l'action entre les rameurs, également ce qui se passe à bâbord et à tribord. L'idée, c'est vraiment de balayer le maximum tous ces paramètres de synchronicité avec un outil qui, en tout cas, par rapport au premier retour, semble tout à fait prometteur. Et ce projet va donc faire l'objet d'un travail au sein de Polytech mené par 5 étudiants. Et en fait, là où c'est également intéressant, c'est que on y voit une certaine continuité dans ce projet d'analyse technique, notamment par rapport aux travaux de thèse qu'on évoquait tout à l'heure de Romain Labbé et de Jean-Philippe, sur cette synchronicité. Et je pense que là, maintenant, Jean-Philippe va pouvoir vous en dire un tout petit peu plus. Merci. Je vous remercie. Merci. Le micro. Merci. Jean-Philippe, je vous laisse peut-être vous rapprocher. Merci. Voilà. Vous pouvez me donner le micro, vous pouvez prendre le pupitre, sauf si vous êtes plus à l'aise avec un micro main, à votre convenance. Ça ira. Oui. Donc, comme on avait commencé à en parler, nous, pendant nos thèses avec Romain Labbé, on a travaillé sur la question, on a commencé à travailler sur l'aviron en s'intéressant à la question de la synchronisation en aviron. Et c'était effectivement une question qui était initiée par l'observation dans la nature des crevettes qui nagent de façon désynchronisée. Donc, quand on regarde une course d'aviron, ce que l'on voit, c'est que le bateau, il avance par à-coups. Et donc pas avec une vitesse constante, et on se dit que ça c'est pas optimal, qu'il faudrait mieux avoir une vitesse constante de façon à réduire la traînée sur la coque, parce qu'avoir des fluctuations de vitesse ça coûte de l'énergie au bateau. Et donc une façon de réduire les fluctuations de vitesse, c'est de se désynchroniser comme le font les crevettes. Ici c'était à Rio en 2016. Et donc quand on regarde la vitesse instantanée du bateau en fonction du temps, on obtient cette courbe-là, où on a en zone orangée la phase de propulsion et en zone blanche la phase de retour. Donc on voit que la vitesse elle augmente pendant la phase de propulsion
qu'elle continue d'augmenter pendant la phase de retour parce que les rameurs reviennent en position sur le bateau, donc tirent le bateau sous eux, et ensuite la vitesse chute à la fin de la phase de retour. Et donc ça nous donne des fluctuations de vitesse qui sont de l'ordre de 20 à 30% de la vitesse du bateau, de la vitesse moyenne du bateau. Donc pour étudier cette question de synchronisation, on n'est pas allé voir des rameurs pour leur dire de ramer désynchronisé parce que c'est compliqué. Et ce qu'on a fait, c'est de construire un modèle réduit de bateau d'aviron qu'à l'échelle 1 dixième, avec un bateau qui fait 2 mètres de long, avec 8 petits robots rameurs qui se déplacent sur le bateau et qui essaient de reproduire le mouvement des rameurs sur un vrai bateau d'aviron. Et donc avec cette maquette, on avait la possibilité de contrôler parfaitement la synchronisation ou la désynchronisation des rameurs sur le bateau. Donc, dans un deuxième temps, on est allé à la piscine de l'école polytechnique pour tester notre maquette. Et voilà, voici ce que ça donne. Donc ici, c'est en configuration synchronisée. On voit que le bateau il avance quand même par à-coups, comme on a pu l'observer dans le cas réel. Et ici, on a reproduit à nouveau la vitesse instantanée du bateau en fonction du temps. Et on observe effectivement que les fluctuations de vitesse, elles sont assez importantes. Elles sont du même ordre de grandeur que dans le cas réel en compétition. Ensuite, nous avons fait des tests. Nous avons fait plusieurs tests de configuration désynchronisée. Ici, je vous en montre un où le cas particulier ici, c'est qu'il y a toujours un rameur qui propulse le bateau. Donc il y a une onde qui se propage de l'avant à l'arrière avec les rameurs qui plongent les rames les uns après les autres dans l'eau. Et là, on observe que le bateau il avance avec une vitesse beaucoup plus régulière. C'est ce que l'on voit ici sur le graphe de la vitesse instantanée du bateau en fonction du temps. Par contre, lorsqu'on compare ce signal de vitesse au signal qu'on avait obtenu en configuration synchronisée, on voit que la vitesse moyenne elle est plus faible quand on se désynchronise que quand on synchronise. Et donc, ce que l'on peut en conclure, c'est qu'il faut rester synchronisé. Donc, c'est pas révolutionnaire comme conclusion, malheureusement. Mais c'est intéressant pour essayer de comprendre ce qui se passe en aviron et de bien mettre en évidence les différents mécanismes. Ce que nous, on a compris en faisant cette étude, c'est que ce résultat, que la vitesse soit plus faible, la vitesse moyenne soit plus faible en désynchronisé qu'en synchronisé, il était lié à l'effet de mouvement des masses des rameurs sur le bateau, puisque les rameurs se déplacent sur le bateau au cours du cycle de rame, et également à une efficacité de propulsion qui était inférieure lorsque les rameurs étaient désynchronisés. Et donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, aux rameurs, on va leur dire qu'il ne faut rien changer, qu'il faut rester synchronisé. Par contre, pour d'autres sports, d'autres disciplines, comme le kayak de vitesse, la question se pose de savoir s'il faut ramer synchronisé ou pas, puisque là, il n'y a pas de déplacement de masse sur le bateau. Et ce qu'on peut observer, c'est que les rameurs, sur certaines embarcations, ils sont légèrement désynchronisés. Et donc, pour rebondir sur l'outil de caractérisation de la synchronisation qui a été mentionné par Hugo, eh bien, avoir un outil qui permet de caractériser la synchronisation en aviron pour vérifier que les rameurs sont parfaitement synchronisés, c'est effectivement très important. Et ça peut être également important pour d'autres disciplines comme le kayak ou le canoë de vitesse, pour trouver quelle est la désynchronisation la plus efficace. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci Jean-Philippe, effectivement, pour cette démonstration qui, on le rappelle, est partie du déplacement des crevettes, comme quoi il faut vraiment regarder ce qui se passe autour de soi et s'ouvrir à tout, être curieux. Et avoir les yeux et les oreilles bien ouverts. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Hugo, je vous laisse regagner vos places. Et on va enchaîner tout naturellement avec une autre fédération qui est au cœur du projet également, c'est la Fédération de Pentathlon. Et pour ça, je vais appeler Eric Michel, conseiller technique national chargé du développement, et Tom Madalena, qui est doctorant. Et qui, évidemment, s'est intéressé de près à cette discipline, le pentathlon, qui, on le rappelle, comporte 5
discipline. Hop. Un micro, il y en a un ici, notamment le tir. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Qui a suscité votre attention, toute votre attention. Voilà, donc pour rappel, pour le pentathlon, donc il y a 5 sports en un. Donc les pentathlètes enchaînent l'escrime, donc c'est un match en une touche, on rencontre tous les participants, qui dure à peu près 3 heures. Ensuite, ils enchaînent la natation sur un 200 mètres nage libre. Puis ensuite, il y a une épreuve un peu atypique, c'est l'équitation. C'est un parcours 10 obstacles à 1m20. La seule particularité, c'est que vous tirez au sort votre cheval et vous avez 20 minutes lors de la détente pour savoir comment réagit votre cheval face à l'obstacle. Et ensuite, le pentathlon se termine par un combiné qui a été appelé par la Fédération internationale le laser run, qui enchaîne du tir laser 10 mètres et un 800 mètres, et cela 4 fois de suite. On avait préparé peut-être des slides. Allez-y, allez-y, ça déroule. Alors, soit c'est vous qui l'activez avec le Pavlov, soit... voilà. Donc là, oui, c'était juste pour montrer donc, les différentes disciplines. Ce qui a des dates importantes pour chaque sport, puisque toutes les disciplines sportives olympiques, on est toujours lié au règlement. Et pour nous, il y a eu un règlement qui est important, c'est qu'en 2009, il y a eu la fusion pour créer le laser run entre le tir et la course. Juste avant... ils avaient modifié aussi le programme des Jeux Olympiques pour que le pentathlon tienne en une journée, donc les athlètes enchaînent l'ensemble des disciplines sur une journée. En fin de compte, c'était par rapport à un format olympique, donc là encore, les fédérations, les entraîneurs et les athlètes ont dû s'adapter. Et puis, ensuite, on est passé au tir laser, par rapport au tir à plomb, et on a enchaîné, on est passé de 3 passages à 4. Ce qui fait qu'il y avait à la fois des problématiques physiologiques sur comment enchaîner 400-800 mètres de suite avec une séquence de tir. Et surtout, c'est les entraîneurs de l'INSEP, enfin les entraîneurs de l'INSEP et le Pôle France, avaient fait une petite analyse pour voir, suivant les résultats des meilleurs mondiaux, quel était le pourcentage d'importance des différentes disciplines. Puisque ça nous permettait, nous, derrière, de pouvoir organiser l'entraînement et surtout la quantité et la qualité de l'entraînement. Donc deux choses sont ressorties, c'est que l'escrime prenait une part de plus en plus importante par rapport aux 3 premières disciplines de l'épreuve, et que le combiné restait quand même l'épreuve phare du pentathlon, à savoir aussi que le laser run se fait en handicap start, c'est-à-dire qu'aux Jeux Olympiques, championnat du monde ou championnat d'Europe, c'est le premier au classement des 3 premières épreuves qui part le premier. Donc tant que personne vous double, vous êtes champion olympique. Dès que vous envoyez un qui vous dépasse, vous êtes deuxième, troisième, quatrième. D'où toute l'incidence aussi sur la technicité, physiologie, mais aussi sur tout le travail psychologique par rapport aux athlètes. Puisqu'on a beau leur dire, tu es dans ta bulle, tu es sur ton pas de tir et ta cible. Lorsque vous voyez les LED des adversaires qui s'allument plus vite que la vôtre, souvent il y a une incidence forte. Donc, on a eu la chance que l'INSEP organise, il y a à peu près un an, une rencontre avec différentes fédérations où il y a du tir, et Polytechnique était présent. Et ce dont on s'est rendu compte autour de la table, c'est que pour nous, il y avait une incidence sur, au niveau du tir dans le laser run, sur la vitesse précision. C'est-à-dire que, est-ce qu'on vous devait tirer très vite pour repartir du pas de tir très vite, et quelle incidence ça pouvait avoir ? À l'inverse du biathlon, où lorsqu'ils ratent un tir, ils refont une boucle, le pentathlon a décidé, en fin de compte, vous avez 50 secondes pour tirer, mais si vous avez terminé en 10 secondes, vous partez du pas de tir, et votre adversaire, lui, continue à tirer. Donc on est rentré sur cette dynamique, et on a eu la chance, c'est que les chercheurs de Polytechnique travaillaient déjà, avec d'autres fédérations, sur cette thématique qui était la nôtre. Et on s'était rendu compte qu'en fin de compte, il y a eu une évolution sur le temps de tir au fur et à mesure des années. Là, on s'était arrêté à 2016, où on était à 56 secondes. Donc là, c'est lorsque vous avez, comme vous avez 4 passages, c'est l'addition des 4 passages de tir. Et là, pour actuellement, le meilleur mondial réalise ses 4 séquences de tir au total avec 34 secondes. Donc il repart par rapport à chaque fois la course. Il a vraiment une incidence forte sur la suite. Et à côté, vous avez donc les pourcentages de réussite, d'accord, qui sont toujours élevés, malgré un temps qui diminue sur le tir. Donc le travail qui a été mis en place avec les chercheurs de Polytechnique,
c'était de se dire, est-ce qu'on peut avoir vraiment des données chiffrées et est-ce qu'on peut travailler avec des athlètes de l'INSEP pour montrer cette dynamique sur vitesse-précision. C'est après qu'on a une vidéo, c'est ça? Oui, c'est après. Donc, je vais m'arrêter là. Après, tu expliques. Alors, Tom, vitesse-précision, justement, voilà. Vous y êtes intéressé de très près et vous avez des témoignages forts, justement. C'est ça. On a un témoignage de Brice et Jean-Maxence juste après, si vous pouvez le lancer. Les recherches effectuées avec Toméa Vincent m'ont permis de mieux appréhender mon épreuve de tir. Le but était de connaître scientifiquement ce qu'il se passe sur le geste et sur le résultat quand on accélère le rythme de tir. Le travail effectué durant cette recherche était très diversifié, donc très enrichissant pour moi en tant que tireur. À la lecture des résultats, on remarque que la courbe est très claire. En effet, si un pentathlète tire trop doucement, il ne sera pas assez efficace. Et s'il tire trop rapidement, il sera dans le mur, donc sa régularité dans le résultat final sera trop impactée. C'est exactement ce que je ressens quand je tire. Si je vais trop vite, mon pourcentage de réussite diminue fortement. Et si je vais trop doucement, je me sens capable d'aller beaucoup plus vite sans influencer ma précision. Je me mets donc naturellement dans une zone où je me sens bien. Cette zone a été concrètement validée par les raisonnements scientifiques et cela confirme ce que nous pensions, les coachs et moi-même, sur la démarche à suivre entre vitesse et précision. L'évolution du règlement nous a amené à fusionner l'épreuve de tir au pistolet et l'épreuve de course en une seule et même épreuve, l'épreuve de laser run. Depuis 2009, les Français et Françaises occupent les premiers rôles dans cette épreuve et dans l'optique de conserver cette avance sur les autres nations, nous avons eu recours à différentes pratiques scientifiques. Au cours de l'Olympiade Londres-Rio, nous avons collaboré avec les chercheurs de l'INSEP sur les aspects physiologiques, donc la partie course de l'épreuve Laser Run. Depuis l'année dernière, nous avons eu la chance d'entrer en collaboration avec Polytechnique pour nous intéresser plus particulièrement aux aspects du tir au pistolet laser. Notre démarche et notre objectif était de s'intéresser dans un premier temps à l'étude du conflit vitesse-précision dans notre tir au pistolet laser et dans un deuxième temps, c'était de nous intéresser à la structure du geste en elle-même. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du geste au niveau de la queue de détente, au niveau des organes de visée et au niveau de la vitesse du mouvement. La démarche se veut concrète et utile. La première piste explorée avec Brice sur l'étude du conflit vitesse-précision vient confirmer les observations et notre ressenti d'entraîneur. Nous avons réussi avec Tom et Vincent à élaborer un protocole nous permettant d'identifier la zone optimale de tir, la vitesse optimale de tir pour chaque athlète. Ça, c'était très important. Et dans un deuxième temps, nous, notre but d'entraîneur est de stabiliser et d'augmenter l'efficacité dans cette zone de tir. La deuxième piste en cours d'élaboration avec la Startup Feeling, c'est de créer un pistolet instrumenté nous permettant d'avoir des informations concrètes et factuelles. La plus-value de ces deux collaborations, c'est 1. De nous permettre de mieux accompagner les athlètes, 2. D'avoir un véritable apport technico-scientifique, 3. De générer régularité, stabilité et confiance dans le geste, et la quatrième qui va de soi, c'est d'accompagner les athlètes vers la haute performance et les armer à être prêts à toute situation en compétition. Voilà, témoignage effectivement précis, pointu, c'est du terrain, c'est un retour terrain 100%. Exactement. Et donc vous avez travaillé justement pour améliorer la performance. Voilà, donc moi j'ai commencé à travailler avec le pentathlon il y a un peu moins d'un an. Et donc on a travaillé avec Brice Loubet, qui est l'athlète que vous venez de voir sur le témoignage, pour créer cette courbe. Donc c'est cette courbe que je vous expliquais. Donc comme ça a été dit dans le témoignage et par Eric Michel, il y a au pentathlon le conflit vitesse-précision qui est très présent. Pourquoi ? Parce que dans l'épreuve de tir, vous devez à la fois sortir le plus vite possible du pas de tir et en même temps réussir vos tirs. Et donc, évidemment, plus on tire vite, moins on est précis, donc, d'où ce conflit vitesse-précision. Donc cette courbe qu'on a construite avec Brice, elle représente en ordonnée, donc en l'axe vertical, c'est le temps total que vous allez passer sur le pas de tir, en fonction du temps que vous prenez pour viser entre chaque tir.
Donc par exemple, si vous prenez, donc là c'est une courbe qui a été tracée avec Brice, qui est valable pour Brice. Si il prend 3 secondes pour viser, ce qu'on voit c'est qu'il va mettre entre à peu près 12-13 secondes pour réussir ses 5 tirs sur le pas de tir. Inversement, s'il tire toutes les 1,5 secondes, il va mettre un peu plus de 15 secondes, donc 16-17 secondes pour sortir du pas de tir. Voilà, donc on a tracé cette courbe et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une carte d'identité de l'athlète. C'est-à-dire qu'elle va permettre à l'athlète de se connaître et de savoir quelles vont être les conséquences d'un changement de rythme dans son tir. Alors une première information qu'on voit sur cette courbe, c'est qu'il y a un minimum. On voit qu'il y a une performance optimale. Donc si Brice veut performer le mieux possible, il a intérêt à tirer avec une cadence, on voit, de 2 secondes. Donc tirer toutes les 2 secondes. Puis une deuxième information qu'on voit, c'est que cette courbe, elle est très dissymétrique. Notamment, on voit qu'on perd beaucoup plus à tirer vite qu'à tirer lentement. Parce que vous voyez que s'il passe de 2 secondes à 3 secondes de cadence, il va perdre seulement quelques secondes au total, alors que s'il tire trop vite, là, d'un coup, son temps total va exploser. Il va perdre beaucoup de temps. Et ça, c'est une information très importante pour les entraîneurs et pour les athlètes, parce que ce qu'ils nous disaient souvent, c'est que en compétition, ils ont tendance à accélérer leurs gestes avec le stress de la compétition. Donc, ce qu'on voit avec cette courbe, c'est qu'ils ont plutôt intérêt à s'entraîner un petit peu plus lentement que leur optimal, pour que le jour de la compétition, s'ils accélèrent, leur temps de sortie reste correct et n'explose pas. Donc voilà, ça c'est donc cette courbe, comme je le disais, on l'a tracée avec Brice Loubet. Et ensuite, la seconde étape, ça a été de construire cette courbe pour tous les athlètes de la fédération. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Nous, ce qu'on a fait côté laboratoire, c'est créer un protocole pour que les entraîneurs du Pôle France puissent construire cette courbe avec tous leurs athlètes sans avoir besoin de nous et en le faisant en un temps raisonnable. Typiquement, pour construire cette courbe avec Brice, on a pris quelques mois. Là, avec le protocole qu'on a élaboré, ils peuvent construire cette courbe en une semaine d'entraînement, donc deux ou trois séances de tir, ce qui est un temps beaucoup plus raisonnable. Et à terme, on espère que cet outil, donc que cette courbe puisse devenir une sorte d'outil donc d'une part d'évaluation des athlètes, et éventuellement aussi un outil qui permette de recruter, de tester les jeunes pour faire du recrutement. Puisque ça nous donne une mesure directe de la performance des tireurs. Est-ce que tu veux... Ouais. Ok. Oui, juste une chose que Tom a oublié de bien préciser, c'est que lorsque ce protocole et ce travail a été mis en place avec les entraîneurs de l'INSEP et les athlètes, on a réuni l'ensemble des athlètes et des entraîneurs. Et en fin de compte, au départ, il n'y a que Brice qui a dit « Ok, je veux travailler sur cette démarche ». Et là, comme ça a fonctionné, parce qu'on va vous montrer les deux derniers slides où vous allez voir sur ces trois dernières compétitions, Coupe du Monde, Championnat du Monde universitaire et Championnat d'Europe, sa progression a été constante grâce à ce travail sur le protocole. Il a amélioré ses temps. Et ce qui s'est passé d'une manière induite derrière, c'est que tous les athlètes du Pôle France ont souhaité rentrer dans cette démarche. En fin de compte, donc, je pense que pour toutes les fédérations qui ont travaillé dans ces démarches avec des chercheurs, il y a toujours un entraîneur qui est plutôt sensible, un athlète. Et je crois que la notion de confiance est fondamentale pour qu'on puisse aller. Exemple, on a Valentin Prade qui a été champion d'Europe il y a un mois et quelques. Il a pris contact par la suite avec Tom pour rentrer dans le protocole, mais au départ, il ne souhaitait pas y aller. Et en fin de compte, Brice, c'est sûrement l'athlète de notre au niveau Paul INSEP qui est le plus ouvert à cette démarche. Et en fin de compte, maintenant, aussi bien les filles que les garçons sont rentrés dans cette démarche. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça s'est fait d'une manière naturelle. Ça a été sous forme d'un volontariat et ça a été un gain pour tout le monde. Et si, donc là, voilà. Donc là, on a fait une petite fiche pour bien vous montrer l'incidence. Donc les premiers tableaux, à un moment donné, vous aviez le temps total de Brice qui était autour des 40 secondes cumulées. Ce qu'il y a d'intéressant pour bien montrer l'importance pour nous du tir dans le laser run, c'est que Coupe du Monde de Sofia, avant le laser run, il est 25e. Il fait premier de l'épreuve laser run, il passe de la 25e place à la 9e. Au championnat du monde universitaire, il est 3e.
et il fait un temps cumulé de 36,4 secondes sur les 4 tirs enchaînés, donc il progresse presque de 4 secondes. Et en fin de compte, le protocole qui avait été mis en place avec Tom, la courbe que Tom vous a montée avait été finalisée un mois et demi avant, et donc Brice a pu travailler dessus. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les trois compétitions que je vous ai mises sur le slide, elles sont dans le temps, elles sont espacées à peu près d'un mois. Donc il gagne les championnats du monde universitaire, mais il bat son record 36,4, et le record du monde est de 34,5. Par contre, derrière, c'est qu'il court nettement, à une vitesse nettement supérieure des autres. Et aux championnats d'Europe qui ont eu lieu en Hongrie du 16 au 23 juillet, donc sur 6 épreuves, la France a 5 titres. Elle fait première nation par rapport au Laser Run. En plus, elle gagne les titres au niveau du pentathlon. Ce qui avait d'intéressant, c'est que les conditions météo étaient très très mauvaises. Et en plus, on tire en extérieur. Mais que Brice a quand même réalisé son meilleur temps lorsqu'il a fait que 7 impacts pour les 5 tirs réalisés. Et donc, ça a été encore le meilleur des championnats d'Europe. Donc, une fois qu'on a montré ça à l'ensemble des athlètes, il y a eu vraiment une adhésion. Et là, je pense que c'est une manière de montrer le travail qui peut être réalisé, où là, vraiment, la science s'inscrit dans une démarche volontaire de la part des entraîneurs et des athlètes. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens-là, en tout cas, nous, pour la Fédération française de pentathlon, on va continuer cette collaboration parce que je pense qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on peut aller. Et là, le dernier slide, c'était pour montrer, par rapport à l'équipe de France, voilà, on a pris d'autres athlètes qui sont rentrés dans le protocole. Donc vous avez Valentin Prade qui a été champion d'Europe. Et là aussi, si vous regardez, avant le Laser Run, il est cinquième. Son meilleur tir, alors que c'est le troisième passage, 5 sur 5, il fait 8 secondes 4 et il termine premier. Et pour Julie Bellamri, elle est 27e, elle fait le deuxième laser run des champions d'Europe et elle termine 7e. Donc ça a vraiment montré déjà, c'est que c'était une intuition des entraîneurs qui avait été confortée avec les premiers échanges avec les chercheurs de Polytechnique. On a eu la chance d'avoir Brice Loubet qui est rentré dans cette démarche. Et là, vraiment, maintenant, on a aussi nos athlètes qui sont ouverts à cette nouvelle démarche. Et je pense que c'était notre levier d'entrée dans cette démarche. Donc pour nous, Science 2024, ça a vraiment une importance fondamentale. Et surtout quand, comme nous, on est une très petite fédération. Voilà, merci. Merci Eric Michel pour ce témoignage, ce retour d'expérience qui, une fois de plus, illustre parfaitement la collaboration, pour le coup efficace, avec des résultats immédiats derrière, dans la foulée. Et merci beaucoup à vous pour ce témoignage. Donc, et on enchaîne avec une troisième fédération qui s'implique déjà et qui travaille déjà sur, avec tous ces chercheurs. C'est la Fédération française de tir. Et j'appelle tout de suite Rémi Moreno-Flores, athlète de haut niveau, Valérian Sauve-Plane, qui lui aussi est athlète de haut niveau, et également Aymeric Dagneau, ingénieur d'études direction générale de l'armement. Allez, à vous de jouer. Alors les deux athlètes, je crois qu'ils sont en compétition, c'est ça, mais ils seront avec nous de toute façon indirectement. Voilà. Ils sont en compétition, donc je serai tout seul pour présenter les choses. Donc comment s'est passé justement, sur quoi avez-vous décidé de travailler et, donc la difficulté, c'est on va les écouter. À la fois de trouver déjà les cartouches qui marchaient bien dans le canon, parce que ça c'est la priorité, et ces cartouches-là, faire en sorte qu'elle marche encore un petit peu mieux dans le canon, ou du moins améliorer un tout petit peu ce qui est améliorable. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à faire au niveau du matériel pour surtout faciliter les tests et faciliter le couple canon-munition, faciliter ce couple-là. Donc, depuis quelques années, moi, j'avais été peut-être un des précurseurs à tester avec des tuners pour justement, au-delà du fait de chercher les cartouches et qui passaient bien dans un canon, de pouvoir encore améliorer un petit peu les tests. Un tuner, c'est quoi? C'est un anneau de métal qu'on fixe autour du canon, qui va avoir pour effet eh bien, de faire se comporter le canon différemment au départ du coup, c'est-à-dire qu'il va vibrer différemment. Comme on a des balles qui, par nature, sont irrégulières, puisqu'elles n'ont jamais exactement la même charge de poudre, eh bien, on va avoir des trajectoires de vol différentes, et du coup, une certaine dispersion aussi. Alors ça peut aller de quelques millimètres à 1 cm. Mais comme nous, le 10, il fait déjà 1 cm, ça nous pose problème.
comme on est obligé de faire avec ce que nous fournissent les fabricants en munitions, eh bien, la solution qu'on a trouvée, c'est de pouvoir jouer avec ce tuner sur les vibrations du canon pour que les vibrations, en fait, viennent compenser les différentes trajectoires des balles, pour pouvoir être précis. Donc, ce qu'il faudrait, c'est arriver à trouver un moyen, je pense par des capteurs ou de ce genre de choses montées sur les canons, qui permettrait de rapidement et de façon scientifique trouver le bon emplacement, le bon réglage de tuner par rapport à la vibration du canon et par rapport à la munition qui est utilisée. Donc ça, ça serait l'idéal dans un premier temps. Et je dirais qu'à partir du moment où on va arriver à trouver quelque chose là-dedans, de façon beaucoup plus scientifique et pragmatique, pourquoi pas aller plus loin, parce que je reste persuadé aussi que suivant la température, suivant le degré d'hydrovitie, suivant un certain nombre d'éléments extérieurs qui évoluent d'un jour à l'autre, les tuners, les canons, enfin c'est même pas les tuners, c'est les canons réagissent différemment en fonction de s'il fait 15 degrés ou s'il fait 30 degrés. Donc obligatoirement la vibration est différente et de par ce fait le réglage du tuner peut être aussi un petit peu différent. Quand je parlais tout à l'heure qu'il fallait 1000-1500 coups par test, c'est-à-dire que quand il y en a 3 à faire, on est quasiment à 5000 coups pour juste avoir réglé un tuner, si on fait ça de façon très empirique comme je le faisais au tout début. Donc voilà, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande des cartouches. Et tout ça, on sait très bien que dans le sport de haut niveau, on ne l'a pas forcément. La question qu'on se posait, l'ensemble des tireurs et des entraîneurs, c'était l'influence du saut de bouche. Donc le saut de bouche, c'est quoi? C'est quand le canon se lève au moment du départ du coup. On nous a toujours dit que le canon commençait à se lever alors que la balle n'était pas sortie, ce qui faisait que ça influait sur la trajectoire de la balle, et donc il fallait tenir la carabine toujours de la même façon pour que eh bien, les groupements qu'on soit précis en cible. Or, on n'a jamais eu vraiment la preuve de ça, et comme moi je travaille pour la fédération et je fais un système d'analyse de match, la question à se poser c'est déjà de savoir si ce saut de bouche il influence vraiment la trajectoire des balles et donc les performances dans le tir. Et donc le problème de ça, c'est qu'évidemment, il nous faut des systèmes de pointe, des caméras à très haute vitesse, et puis de l'expertise dans les sciences physiques. Et c'est là que la collaboration avec une grande école, comme Polytechnique et les armées notamment, sont plus qu'intéressantes. Donc grâce à un workshop organisé par Patrick Roux l'année dernière à l'INSEP, on a pu s'attaquer à cette question avec Christophe Clanet et son équipe de polytechniciens. Et 3 mois après, on avait la réponse à notre question. En fait, quoi qu'on fasse, le saut de bouche se passait après que la balle soit sortie du canon. C'est-à-dire que la balle sortait avant que le canon ne se lève. Donc, ce qui veut dire que quoi qu'on fasse, ça veut dire que le saut de bouche n'a aucune influence sur la trajectoire des balles. Donc, c'est très encourageant pour nous, puisque ça nous permet de pouvoir nous poser les bonnes questions et surtout de pouvoir recentrer notre énergie sur d'autres facteurs qui, eux, sont vraiment impactants sur les performances, comme par exemple le couple canon-munition. Les Russes, à l'époque, tiraient avec leurs propres cartouches des Olympes, auxquelles on avait plus ou moins accès par un marché un peu parallèle. C'est-à-dire à une époque, ils les revendaient pour récupérer un peu d'argent. Certains tireurs français s'en étaient procurés. Certaines sont d'ailleurs font partie des lots magiques qui ont tiré plusieurs fois le record du monde. Enfin, deux lots en particulier sont vraiment connus dans le milieu pour ça, lorsque le coucher était encore olympique et au score au point plein. Là aussi, là où je voudrais en venir, c'est qu'il y a aussi ces Russes-là avaient créé a priori des cartouches spéciales dans le vent où les ogives étaient un tout petit peu plus lourdes que la normale. Certains tireurs français ont eu la capacité, ont eu la possibilité de les tester. Et effectivement, en cible déjà, ça s'avérait parce qu'ils tiraient beaucoup plus bas que la normale. Donc ça voulait bien dire que l'ogive était plus lourde. Et ces cartouches-là avaient aussi une influence dans le vent moindre que la normale. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à rechercher là-dedans, mais encore une fois, il faut être en capacité de les produire, ces cartouches. Parce que si c'est faisable, même si c'est pour 100 cartouches, ça vaut le coup. Faire une grosse production, non. Mais si c'est pour des championnats du monde ou des jeux où ça va représenter 100 ou 300 cartouches, ça vaut peut-être le coup de le faire.
Il y a la question du nettoyage des carabines. Pour garder une certaine précision, il faut nettoyer régulièrement les carabines après chaque séance de tir. Alors évidemment, on a des protocoles qu'on a mis en place de façon empirique, des protocoles de nettoyage avec certains produits, avec certains outils. Mais jusque-là, on constate qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe concrètement dans les canons. C'est pas vraiment ce qui se passe. Pourquoi certains canons sont sont beaucoup plus fragiles et nécessitent d'être beaucoup mieux nettoyés que d'autres? Ça, je n'ai pas la réponse. Pour avoir testé les deux chez Black Air, c'est une nécessité de nettoyer correctement après 100 coups. Ce qui veut dire qu'on peut presque un match de 3,40, on ne peut pas la tirer entier. Si on veut faire les choses correctement, on ne peut pas la tirer entier sans nettoyer entre les positions. De la même façon, chez Gröning, je n'ai pas constaté la même chose. Pourtant, c'est censé être des canons plus ou moins identiques, puisque c'est des canons où c'est soit des Luya, soit des Chien. On sait que Black Air ou Gröning montent également, enfin montent tous les deux ces canons-là. Chez Gröning, a priori, du moins, celui que j'ai n'a pas du tout les mêmes spécificités, parce que pour avoir testé 100, 200 cartouches, les groupements restent les mêmes. À l'inverse de chez Black Air, où c'est vraiment, voilà, je voulais pas le croire, mais pour avoir fait les tests, c'est clair et net qu'il y a une grosse différence à partir du moment où on nettoie et à partir du moment où le canon commence à être encrassé. Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Donc du coup, ce serait intéressant peut-être de creuser un peu cette idée, de creuser un peu cette problématique et d'essayer d'en savoir plus avec, je dirais, une démarche un peu plus rationnelle, un peu plus scientifique, pour pouvoir découvrir des choses, les attester, et à partir de là, créer des protocoles qui sont vraiment éprouvés pour les tireurs. Témoignage effectivement précis, avec des vraies problématiques, Aymeric Daniaud, et des vrais besoins de la part de cette fédération, oui, que vous avez identifiée et sur lesquels vous avez déjà travaillé. Alors on a, voilà, donc il y a, je ne sais pas si le son était suffisamment élevé pour que vous puissiez bien suivre. Il y a quatre problématiques qui sont ressorties. Il y en a une qui a déjà été traitée, ce qu'on appelle le saut de bouche. Alors on va commencer par... Donc la difficulté. On ne va pas repartir sur la vidéo. Voilà. Donc déjà le tir, c'est pas une image qu'on voit souvent, mais le tir à la carabine olympique, c'est du matériel qui est déjà assez poussé. Et on a vraiment entre le matériel, la munition et la position du tireur, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Donc d'abord, on va parler de ce qu'on appelle en artillerie les vibrations de la volée. Alors ce qu'on voit à gauche, les trois modes, c'est pas la trompe de Dumbo, c'est un canon. Alors c'est augmenté, mais on a plusieurs modes en fait de déformation du canon au moment où la balle avance dans le canon et avant qu'elle sorte. Donc on a c'est comme une poutre encastrée, hein, donc c'est de la physique de base. On a des modes, mode 1, mode 2, qui sont à grande amplitude mais à faible fréquence. Donc du coup, le projectile est sorti avant qu'on ait vraiment un déplacement de la bouche. Par contre, il semble que ce soit le mode 3 qui soit le plus, celui qui faille vraiment optimiser. Donc, qu'est-ce qu'on, dans la présentation, dans la vidéo, on a parlé des tuneurs. Alors, qu'est-ce que c'est un tuneur? C'est une masse qu'on installe sur le canon pour justement modifier le comportement vibratoire, pour que la bouche de l'arme pointe toujours dans la même direction qu'au moment où le projectile sort, et quelle que soit, entre guillemets, la variabilité de la balistique intérieure et de la vitesse initiale. Parce que forcément, le projectile, lui, on enflamme une charge de poudre, il accélère dans le canon. On a l'impression que c'est très très rapide. Effectivement, ça se passe pour le 22LR, la partie, donc on monte à 1700 bars, enfin 170 MPa en 0,1 milliseconde, et on est sorti en 3-4 millisecondes. Donc on a l'impression que c'est très très rapide, mais il y a plein de phénomènes qui se passent. Et en particulier, si la bouche du canon ne pointe pas toujours dans la même direction au moment où le projectile sort, ben forcément, déjà, on ne tire pas au même endroit. Donc on peut avoir un pointage parfait, une arme tenue parfaitement. À la fin, on a une dispersion qui est tout à fait aléatoire. Donc le teneur, c'est une masse qu'on vient installer soit au bout du canon, soit à un moment du canon, pour adapter justement cette déformation aux variabilités de vitesse initiale.
Voilà. Et tout à fait à droite, c'est l'exemple de Geoffrey Kolb, donc qui a travaillé beaucoup en 22LR sur les teneurs. Donc en haut, c'est les groupements de 5 coups, ces groupements, la carabine sans rien. Et en dessous, c'est ce qu'il obtient une fois qu'il a bien réglé son tuneur. Donc on voit que la réduction de dispersion, on arrive à gagner un facteur 2 sur la dispersion verticale. Voilà. Donc le souci, comme disait Valérian, c'est que en fonction des lots de munitions, déjà il faut les choisir. Ensuite, en fonction de la température du tir et des conditions extérieures, eh bien, la balistique intérieure de la munition n'est pas tout à fait la même. Et à la fin, il faut être capable d'adapter quasiment en temps réel le réglage du teneur aux conditions aéro de la journée et du match. Voilà. Donc ça, il y aura un gros travail à faire là-dessus, qui a commencé du point de vue théorique. Maintenant, il faut le vérifier en pratique. Donc le point qui a été traité, c'était ce qu'on appelle le saut de bouche, qui là est légèrement différent du point précédent, puisque c'est un mouvement macro de l'arme. C'est vraiment, on a conservation de la quantité de mouvement, on a une certaine quantité de mouvement pour le projectile, donc l'arme a la même quantité de mouvement, mais dans l'autre sens, elle recule. Et la question qui se posait, c'était effectivement, est-ce que le projectile est sorti du canon ou pas, au moment avant que l'arme se mette à avoir un mouvement mesurable. Donc ce qui nous sauve, c'est que le projectile fait globalement 2,4 grammes, la carabine fait 2000 fois cette masse-là, donc on a à quantité de mouvement identique, on a des rapports de vitesse qui sont très différents. Donc on a très peu de mouvement d'arme avant que le projectile soit sorti. Donc ça, c'est ce que Christophe Clanet avait mesuré dans son laboratoire. Donc avec un système de caméra rapide, en prenant différentes armes, différents lots de munitions, différents tireurs, pour montrer qu'à la fin, il n'y a aucun mouvement parasite avant que le projectile sorte du canon. Donc ce point-là a été traité. Et du coup, on peut, c'est un peu une légende urbaine qui circulait depuis un bon siècle. Maintenant, on sait que ce problème-là, ce n'est pas la peine de passer du temps pour le traiter, puisqu'il n'existe pas. Alors, autre point, c'est la sensibilité aux conditions extérieures. Alors, le projectile de 22LR, de 22 long rifle, qui est représenté en bas à gauche, sa forme est à peu près inchangée depuis la création de la cartouche en 1887. Donc, à une époque où on n'avait bien entendu aucune idée de l'aérodynamique supersonique ou dans le domaine transsonique. Et en fait, même si c'est une forme qui présente une bonne stabilité en termes de vol, il y a une très forte traînée et donc une très forte sensibilité au vent latéral qui est directement liée à la traînée. Pour faire court, un projectile qui accélère remonte le vent, un projectile qui ralentit suit le vent. Et donc si un projectile n'avait pas de traînée, il n'y aurait absolument aucune sensibilité liée au vent. Bien sûr, on ne peut pas supprimer la traînée, ce qu'on tire dans l'air, mais on peut essayer d'arranger les choses. Alors on peut arranger les choses de deux façons différentes, en changeant la vitesse initiale. Donc un petit calcul rapide montre qu'en gardant la même cartouche, donc, dont la vitesse initiale est autour de 330 mètres par seconde, en carabine, si on réduit cette vitesse à 280 mètres par seconde, on gagne déjà un peu en traînée, parce qu'au lieu d'être pile dans le domaine transsonique, 330 mètres par seconde, c'est très très proche de Mach 1, ce qui est vraiment le domaine qu'il faut éviter. Autour de Mach 1, les conditions aérodynamiques changent de manière très rapide. Et donc, si on veut avoir une bonne précision au tir, il faut vraiment soit avoir des projectiles très nettement supersoniques, mais en 22LR, on n'y arrive pas, la quantité de poudre n'est pas suffisante pour ça. Donc, il faut vraiment, au contraire, freiner et être dans le subsonique. Et un deuxième point, Valérie en avait parlé, on peut modifier la masse du projectile ou on peut changer sa forme. Puisque sa forme là, on sait qu'elle n'est absolument pas optimum d'un point de vue comportement dans le domaine transsonique. Donc on pourrait quasiment diviser par deux la traînée et aussi la sensibilité au vent latéral. Donc si on joue sur ces deux paramètres là, il doit y avoir moyen de fournir une munition à nos athlètes qui aurait une sensibilité au vent latéral deux fois plus faible que ce qui est utilisé par les autres concurrents. Donc au lieu d'avoir une dérive de 6,3 mm par mètre par seconde de vent, on pourrait tomber à 3,3 mm. Voilà. Ce qui permet de gagner
en conditions idéales, à chaque fois 0,3 points quasiment par tir. Donc, ce qui, à la fin, fait le delta entre une fin de peloton et une première place. Le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas d'industriel qui fabrique des munitions. Voilà. On sait quelle recette il faut appliquer, mais maintenant, il va falloir trouver avec qui on peut le faire. Et le dernier point, qui est la périodicité protocole de nettoyage. Alors c'est un point qu'on avait vu avec le GIGN qui se heurte, lui, à des problématiques différentes, qui est la précision au premier coup. Ils se sont rendus compte que selon comment ils nettoient le canon, comment ils stockent l'arme, la précision au premier coup peut varier dans des conditions assez importantes. Or, ils n'ont, eux, pas le droit à l'erreur parce qu'à la fin, un mauvais tir, ce n'est pas un match perdu, c'est un otage qui est vivant ou pas. Donc on avait commencé à travailler là-dessus et on sait qu'il y a un nombre de paramètres, une variabilité très très importante des paramètres. Chaque fabricant de canon a sa recette de fabrication, le nombre de rayures change, la profondeur des rayures, la forme des rayures change, et tout ça, à la fin, a un effet. Donc là aussi, pour arriver à comprendre ce qui se passe exactement, on va avoir pas mal de travail pour amener tout ça au bout. Voilà. Le cas des carabines de biathlon, ils ont eu lors d'un match qui s'est déroulé à une température de moins 13 degrés, ils avaient une dispersion complètement aberrante. Ils se sont rendus compte que en fait, les produits, les gaz brûlés condensaient dans le canon, ce qui faisait un dépôt important, et qui était chassé par le projectile qui tirait après. Et c'est ce dépôt de gaz brûlé qui avait condensé dans le canon quand la température extérieure tombe en dessous de moins 13, qu'ils n'avaient pas vu avant, qui produisait cette dispersion. Et ils ont réglé le problème en augmentant très légèrement la profondeur des rayures. Voilà. Et ils ont fait ça, donc ça c'était il y a un paquet d'années. Et ça avait été traité suite à des tirs qui avaient été faits à Bourges, chez Aérospatiale à l'époque, dans les caissons de froid où on mettait les missiles. Voilà. Pour montrer un peu les exemples qu'il y a eu par le passé de collaboration entre le domaine de l'armement et la pratique sportive. Je vous remercie de votre attention. Merci Émeric pour cet éclairage, là encore très intéressant, hein, sur la collaboration entre Science 2024, la DGA donc, et la Fédération française de tir. Et puis tiens, un quatrième et dernier témoignage sportif et chercheur avec la Fédération française Handisport. Et je vais appeler tout de suite Sandra Mauduit, qu'on avait avec nous sur le plateau ce matin, directrice de la mission expertise à la Fédération française de Handisport, mais également deux élèves polytechniciens de la promo 2017. Deux élèves sur les cinq qui travaillent sur ce projet. J'appelle donc Jean Bouteiller et Paul Frappard qui sont avec nous cet après-midi. Et on les encourage. Sandra, vous connaissez la maison. Installez-vous. Voilà, venez nous rejoindre. Donc, vous avez travaillé en collaboration tous les deux sur un aspect que Christophe a pas mal développé aussi, ce qui concerne les lames de saut pour les athlètes. Oui, exactement. L'athlétisme fait partie des 10 disciplines paralympiques donc, qui vont rentrer dans le projet Science 2024. Et donc, c'est avec l'athlétisme et notamment le saut pour les athlètes amputés, dont Marie-Amélie Le Fur a été présente pour l'extraction avec donc, les étudiants que nous débutons la collaboration avec l'école polytechnique et les écoles partenaires. Allez-y, vous jouez, vous avez votre présentation, vous avez le... Mesdames et messieurs, bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Paul Frappard, je suis actuellement en deuxième année à l'école polytechnique et avec quatre camarades de promotion, donc Jean Bouteiller ici, nous travaillons en collaboration avec la Fédération française handisport sur l'optimisation des prothèses tibiales pour les athlètes de saut en longueur handisport qui sont donc amputés d'un membre inférieur. Ce projet fait partie de notre projet scientifique collectif, un projet sur lequel on va se pencher toute notre deuxième année. Et donc je vais laisser Jean vous introduire le sujet. Bonjour à tous. Donc nous, on s'intéresse au saut en longueur paralympique. Et cet été, il y a eu donc deux grands records qui ont été battus. Chez les femmes, donc Marie-Amélie Le Fur a battu le record du monde. Et chez les hommes, Markus Rehm, qui est le champion du monde allemand, l'a battu également. Donc de ces records lors des championnats d'Europe, on peut avoir deux choses qui nous intéressent.
D'une part, c'est les performances françaises. Donc Marie-Amélie Le Fur, qui est championne d'Europe et recordman du monde, et Jean-Baptiste Alaise, qui est lui troisième, donc ce qui nous montre qu'il y a un fort potentiel de médaille derrière ce travaux. Et d'autre part, si on s'intéresse plus spécifiquement aux performances des hommes, on voit que le vainqueur, Marcus Rehm, a plus de 80 cm d'avance sur le deuxième. Donc de ça, ça nous permet de voir que, certes, Marcus Rehm a des capacités athlétiques qui sont supérieures aux autres, mais il y a également certainement des travaux scientifiques derrière ça qui permettent d'expliquer un tel écart. Et donc nous, on va chercher à comprendre comment il fait pour avoir un tel écart et quels sont les travaux scientifiques derrière tout ça. Alors quelques points pour illustrer les enjeux de ces travaux de recherche pour la Fédération française handisport. Le premier, c'est de quantifier, nous permettre de gagner du temps. Souvent, les athlètes trouvent les réglages optimums par de l'essai-erreur, par de l'expérimentation. Donc ça a un intérêt, mais ça prend du temps. Donc en objectivant ces données, c'est aussi un moyen de gagner quelques mois, quelques années qui sont précieux à haut niveau. Le deuxième enjeu, c'est de mesurer, d'ôter le doute. C'est vraiment frappant quand on rencontre des sportifs, notamment Marie-Amélie Le Fur, quand il y a eu la journée d'extraction avec vous. Elle bat des records du monde, elle est championne paralympique, championne du monde, championne d'Europe. Elle a peut-être le meilleur réglage possible de sa prothèse, mais elle a un doute. Et je pense que si demain on quantifie les caractéristiques de ses réglages et que finalement on se rend compte qu'elle a le meilleur réglage, mais je pense que ça modifiera sa pratique, ne serait-ce que la confiance en elle et la certitude d'avoir le meilleur réglage possible pour pratiquer son activité. Le troisième enjeu, c'est d'expliquer, de donner à voir différemment pour les entraîneurs, d'avoir un autre regard. Souvent, dans le milieu sportif, on a notre culture, nos habitudes. Et donc, le fait de partager aussi une pratique sportive avec une expertise, un regard différent, ça nous donne à voir différemment et à comprendre nos pratiques. Et puis le quatrième enjeu, qui est plutôt un enjeu sur du plus long terme, c'est d'innover. C'est vrai que nous, nos sportifs de haut niveau, cherchent toujours à innover, notamment sur le matériel sportif. Il y a vraiment une culture de la passion, du petit réglage différent qui va faire la différence. Donc nos sportifs connaissent très bien leur matériel. Et parfois aussi, ils copient ce qui peut se passer au meilleur niveau à l'international. Mais je pense que pour passer un cap sur de l'innovation à plus grande échelle, je pense qu'on a besoin d'expertise extérieure et notamment de l'école polytechnique. Alors ça, c'est un petit peu pour expliquer, lors des extractions, le rôle un petit peu de chacune des parties, de chacun. Chacun, finalement, apporte sa pierre à l'édifice pour identifier les problématiques. Tout d'abord, l'entraîneur qui partage sa réalité. Alors j'ai mis connaître certaines lois, c'est vrai que les entraîneurs qui maîtrisent bien certaines lois fondamentales, ça favorise les échanges avec les chercheurs, donc ça permet aussi de gagner du temps pour identifier les problématiques, et puis ça va être sa capacité à verbaliser ces problématiques aussi, qui permettent vraiment de nourrir les échanges. Le chercheur, finalement, pendant ces périodes de communication, il est là pour comprendre notre culture, nos pratiques, la façon dont ça se déroule, et puis pour aider les sportifs et les entraîneurs à verbaliser les problématiques. Et enfin, le sportif, qui a un rôle essentiel aussi pendant ces échanges, donc de la même façon, il verbalise ses problématiques, les questions qu'il peut avoir dans le cadre de sa pratique, et surtout un autre critère qui est très important, c'est sa disponibilité, comme celle de l'entraîneur, à pouvoir s'impliquer dans ce projet. Donc nous, pour commencer nos travaux, on a eu la chance de participer à une première journée d'extraction, donc c'était au cours des Handisport Open de Paris, en juin dernier. Et au cours de ces championnats, on a pu rentrer en contact avec Marie-Amélie Le Fur, discuter avec elle de manière très informelle pour qu'elle nous dise ce qu'elle attendait de nous et elle, comment elle choisissait ses prothèses. Et c'est là qu'on a découvert l'existence d'ABAC, donc qui permettent en fait de choisir pour une taille et un poids donné qui disent à un athlète tu devrais utiliser cette prothèse. Et en fait, donc, c'est une forme empirique, c'est-à-dire que l'athlète ne sait pas du tout comment est-ce que cet ABAC est fait et ne sait pas pourquoi est-ce qu'il doit choisir cette prothèse. On a également découvert qu'il y avait une grande part de ressenti derrière ce choix, c'est-à-dire que certes, certaines prothèses permettent de sauter plus loin, mais elles mettent en péril la santé des athlètes. Marie-Amélie Le Fur a évoqué une de ses concurrentes qui, chaque année, se fracturait la hanche. Et
Donc il y a une problématique derrière tout ça. Certes, nous, on pourra apporter un modèle théorique avec des chiffres et des équations, mais on ne pourra jamais modéliser le ressenti du sportif. Et donc ce sera à nous de proposer seulement une démarche de choix qui, en fonction de la physionomie de l'athlète, pourra proposer certaines caractéristiques, mais jamais on pourra dire que c'est celle-ci la bonne prothèse, puisque nous, on ne pourra pas prendre en compte directement comment l'athlète ressent sa prothèse. Notre objectif a donc été modifié directement, vous l'aurez compris, c'est passer de trouver la prothèse idéale à fournir aux entraîneurs et aux sportifs, en toute objectivité, toutes les informations concernant le choix des prothèses possibles des sportifs, et on leur laissera le choix de la décision finale. En fonction des contraintes corporelles qu'ils voudront bien s'imposer, mais de leur physionomie aussi, ils pourront faire le choix, objectivement, en ayant toutes les informations sous les yeux, de quelle prothèse ils vont choisir. Donc cet objectif principal constitue notre socle d'études majeures, mais il définit des axes d'études plus simples et des objectifs à court terme pour commencer ce projet. D'abord, Jean a parlé des abacs, on voudrait trouver une loi physique derrière. Ces abacs sont utilisés depuis des années, adaptés depuis des années, et on croit beaucoup en le fait qu'il y ait une loi physique et des lois mécaniques derrière qu'on pourrait déceler pour aider les sportifs. Ensuite, on voudrait réfléchir aussi à la position de l'emboîture par rapport à la lame, donc cette pièce qui constitue la prothèse et qui accueille le manchon du sportif. Elle est positionnée uniquement à la sensation en ce moment, et donc on voudrait répondre à la question que se posent les sportifs en fonction de ma physionomie, en fonction des contraintes que je veux bien m'imposer, quelle est la position la plus adaptée de cette emboîture sur la lame. De la même manière, la semelle qui est placée sous la lame, il n'y a pas de loi physique précise derrière. Marie-Amélie Le Fur disait qu'elle passait son temps à changer plein de réglages sur sa lame, forme et épaisseur, matériaux différents pour la semelle, et c'est à la sensation. On voudrait l'aider en lui fournissant des équations exactes. Les objectifs à court terme pour répondre à toutes ces problématiques, d'abord de commencer par un modèle théorique simple pour dégager les problématiques basiques rencontrées par les athlètes, et ensuite, en faisant évoluer le modèle, répondre aux problématiques principales. Prochainement, nous allons aussi essayer d'instrumenter la lame et prendre des vidéos de sauts pour toujours avoir une base de départ solide pour notre projet que nous allons mener cette année. Voilà, et puis pour la suite, donc on va programmer une nouvelle journée d'échange avec Marie-Amélie Le Fur sur un de ses sites d'entraînement, donc pour que les étudiants puissent passer une journée avec elle pour aller un petit peu plus loin sur ces problématiques, pour commencer aussi à quantifier certaines caractéristiques. Et puis je pense que la clé aussi de la suite du projet, c'est effectivement des échanges réguliers, toujours entre le terrain et les chercheurs, pour qu'effectivement, en fonction de l'objectivation des chercheurs par rapport aux problématiques, toujours les ramener à la réalité complexe des sportifs, toujours être dans l'échange régulier pour permettre au projet de pouvoir s'inscrire dans la réalité de terrain des sportifs. Merci Sandra, merci à vous deux, bravo pour le travail déjà accompli et tout ce qui vous reste à faire. Effectivement, il faut développer et continuer à travailler, effectivement échanger beaucoup, la communication primordiale pour avancer, pour avoir les meilleures extractions possibles. Et puis tiens, pour clouter justement cet après-midi, on a une dernière expérience et j'appelle tout de suite sur la scène les trois garçons qui animent la start-up Feeling dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, forcément parce qu'ils ont développé toutes sortes de capteurs les plus ingénieux les uns que les autres et qui sont déjà en action dans le sport français, tout naturellement, évidemment, partenaires et motivés pour cette opération Science 2024. Racontez-nous en quoi, selon vous, qu'est-ce que Feeling peut apporter au sport français et dans l'objectif de ce projet Science 2024. Merci beaucoup. Donc, merci déjà à tout le monde. Donc Romain Labbé, Simon Doucet, voilà. Pierre-Olivier Barrios et Jean-Philippe, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, déjà, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité d'être là et de parler devant vous. Merci particulièrement à Christophe qui nous a proposé. Donc, je sais pas si notre... Vous avez les retours devant, de toute façon. Ah oui, mais ça, je crois que c'est ouais. Mieux. Oui, vous évitez je une sais petite pas. Scoliose organisée. Donc on va vous présenter Feeling. Donc nous, on est une jeune start-up et on propose de faire des capteurs pour le sport de haut niveau.
Donc pour un peu répéter ce que vous avez déjà entendu toute la journée, c'est que le sport de haut niveau, ça ne se joue à pas grand-chose. Donc comme on peut le voir sur ces photos finish, et notamment en aviron où les victoires se jouent sur des demi-longueurs de bateau, alors que les courses font 2000 mètres, donc souvent avec des écarts en temps qui sont largement inférieurs au pourcent. Et donc on peut se demander qu'est-ce qui va faire la différence pour les prochains Jeux Olympiques. Donc il y a les sciences fondamentales. Mais quand on regarde... Mettez-vous là. Puis vous regardez cet écran-là, ce sera plus simple pour tout le monde. C'est le bouton, c'est les capteurs, ça ne marche pas. Mais si les capteurs, ils fonctionnent, ça va bien se passer. Et donc voilà, donc quand on regarde l'évolution de la performance sportive, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des équipements, notamment en aviron, où on est passé de rames plates en bois à des rames très incurvées en carbone avec des formes en H. Il y a eu ensuite des évolutions techniques, donc notamment au saut en hauteur, avec un passage de saut sur le ventre à des sauts en arrière, qui a permis d'augmenter considérablement la performance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions au niveau des méthodes d'entraînement, tout ce qui est physiologie, etc. Et on peut se demander quelle sera l'évolution de demain et qu'est-ce qui fait que tout le monde va gagner ensuite. Et nous, on se demande, est-ce que ce n'est pas au final les capteurs et l'analyse de données pour le sport qui vont permettre de faire la différence sur les prochains Jeux Olympiques et d'avoir des entraînements plus spécifiques avec un retour pour les entraîneurs et pour les sportifs beaucoup plus fiable que seulement du feeling. Donc, suite à ce constat, nous avons commencé par nous renseigner sur ce qui existe déjà. Posez votre micro sur le menton. Voilà, il se trouve qu'il existe déjà un certain nombre de capteurs, parmi eux FitMe ou PowerLift, qui sont développés pour le grand public. Ces capteurs fonctionnent, mais ils ne répondent pas particulièrement aux contraintes et aux problématiques du haut niveau. On parle de contraintes de résistance, de fiabilité. Les efforts développés par les athlètes de haut niveau sont très nettement supérieurs aux efforts développés par les sportifs dans le grand public. Ils ne répondent pas également aux problématiques de précision, c'est-à-dire que souvent ces interfaces pour les capteurs développés pour les grands publics sont très user-friendly, montrent de belles courbes et de belles couleurs, mais ne sont pas très suffisamment précises pour être exploitées par les entraîneurs et les athlètes de haut niveau. Et c'est à ce niveau-là que Feeling se positionne, c'est-à-dire développer des capteurs qui soient la réponse exacte aux problématiques des sportifs de haut niveau et soient suffisamment fiables et performants et résistants. On a déjà quelques exemples de projets en cours, donc vous en avez entendu parler quelques-uns ce matin. Globalement, nous avons plusieurs projets en cours ce matin que je vais vous présenter là aujourd'hui. Ce matin, vous avez entendu parler de l'instrumentation d'une chaussure de sport, une chaussure donc de rugbyman qui permettrait de mesurer l'adhérence des crampons sur certains types de terrains. Ces applications ont aussi des applications qui peuvent être appliquées au médical. On a aussi des mesures d'effort dans les rames d'aviron. Ça permettrait de mesurer précisément l'effort de propulsion de l'embarcation. On a également des projets sur la mesure de puissance développée par les athlètes en musculation. Ça permettrait aux coachs de suivre l'évolution de leurs athlètes dans le temps. Et ça permettrait aussi de motiver les athlètes, parce qu'en direct, ils pourraient voir la puissance qu'ils viennent de développer sur la machine, et voir s'ils sont dans une bonne journée ou pas. Le dernier projet dont je parle maintenant, c'est le pistolet instrumenté. Vous avez commencé à en entendre parler tout à l'heure, et Pierre-Olivier va détailler un peu plus en détail. Voilà, donc, typiquement ce qui s'est passé pour le pistolet instrumenté, et c'est le cas pour tous les autres projets. Donc, il y a Jean-Maxence Béroux, l'entraîneur national de pentathlon moderne que vous avez pu voir tout à l'heure. Il est arrivé avec une question, il nous a demandé est-ce que vous êtes capable de créer un pistolet instrumenté pour optimiser la performance de nos tireurs. Et lui, pour la thématique qu'il nous a demandé, il voulait avoir les efforts dans la gâchette, donc il voulait avoir la pression du tireur au cours de sa phase de tir. Donc il nous a donné un pistolet pour faire un prototype. Donc nous, on a installé un capteur dans la queue de détente avec une connectique adaptée, un système de traitement du signal. Donc on a fait un premier prototype très rapidement qu'on a pu tester sur Brice Loubet. Donc vous pouvez voir... Vous pouvez le voir dans sa phase de tir. Alors, quand on regarde une phase de tir, il y a deux principales phases, une phase de montée, puis une phase de visée. Et ce que les entraîneurs disent, c'est que pendant la phase de visée, il faut que la mise
en pression sur la gâchette se fasse de la manière la plus progressive possible. Donc quand on regarde le tir de Brice, c'est ce qu'on peut voir sur la courbe bleue, on voit que pendant la phase de visée, il y a une montée en pression de la gâchette très progressive jusqu'au moment du départ du coup, qui est visualisé ici par la ligne rouge. Donc ensuite, on a demandé à Brice de faire volontairement un mauvais coup, un mauvais tir. Et donc, c'est ce qu'on peut voir avec la courbe bleue. Et donc là, on voit que notre installation, elle est capable de discriminer un bon coup d'un mauvais coup. Et donc, on satisfait la réponse du coach qui veut savoir comment amener ces athlètes qui ont plus de mal sur cette épreuve à aller vers le bon coup, c'est-à-dire une montée en progressive, une montée en pression progressive sur la gâchette. Et donc feeling, nous sommes quatre. On a Jean-Philippe ici que vous avez vu tout à l'heure, Romain, Pierre-Olivier, Simon, moi-même. Donc en fait nous sommes tous les quatre docteurs normaliens ou polytechniciens. Nous sommes spécialisé dans la mécanique expérimentale et passionné par la conception, la fabrication, l'instrumentation et l'analyse de données. Et c'est notre goût pour le sport qui nous pousse à prolonger dans cette voie, continuer dans cette voie et dédier au sport de haut niveau. Donc, en conclusion, donc Feeling, on propose de l'instrumentation avec de l'analyse de données pour le sport de haut niveau, le tout dans l'objectif qui est d'objectiver le feeling des athlètes et des entraîneurs afin d'aller vers une amélioration de la performance sportive en proposant en plus en parallèle des formations pour mieux comprendre la physique qu'il y a derrière les capteurs et pour permettre une bonne utilisation de ceux-ci. Voilà, bah, merci beaucoup de votre attention. Bah, merci à vous pour cette présentation musclée, dynamique, un vrai travail d'équipe. On espère. Je pense que là, c'est difficile de dire le contraire, bravo. Et merci, je vous laisse beaucoup. Regagner votre chaise, votre place. On va bientôt clôturer cet après-midi. On a vu beaucoup de choses, on a entendu plein de témoignages. On a bien compris les enjeux, la problématique et le champ des possibles pour Science 2024. Je suis sûre que vous êtes à fond derrière ce projet. Si vous ne l'étiez pas un peu au début, vous l'êtes complètement ce soir. Et je vais tout de suite appeler Franck Paccard sur la scène. Franck Paccard qui va donc nous donner son ressenti sur cette journée. Petit mot de la fin, Franck Paccard, directeur de l'enseignement et de la recherche ici. Vous avez beaucoup de micros, je vais vous débarrasser. Oui. Hop. Ouais, je ne sais pas si on m'entend. Si, on m'entend suffisamment. Donc on m'a donné la tâche un petit peu difficile de conclure cette journée, qui est une journée de lancement du programme Science 2024. C'est une journée qui a été très riche en témoignages, en retours d'expérience et en rencontres, et j'espère que ce sera des rencontres fructueuses. Et on a eu des soutiens de la part de personnes importantes, mais aussi c'est une journée qui est riche en imprévus, hein, ce qui fait qu'on va terminer un petit peu plus tôt. Voilà. Donc je tiens à remercier l'ensemble des intervenants et surtout toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée et plus généralement à la mise en place du programme Science 2024. Et tout particulièrement, je souhaite remercier Christina Gastineau et puis le colonel Cuzon, qui ont beaucoup œuvré pour faire en sorte que tout se passe bien. Alors, bien entendu, je veux aussi remercier Christophe Clenet, sans qui, finalement, ben, nous ne serions pas ici réunis pour cette nouvelle aventure. Donc moi, je tiens à dire que ma contribution au projet est quand même assez minime, puisque de toute façon, mes performances sportives sont quand même assez limitées depuis un certain nombre d'années. Et donc, moi, mon rôle a essentiellement consisté à écouter Christophe Clenet, donc, ce qui est un travail en soi. Et oui, je vois qu'il y en a quelques-uns qui le connaissent. Et aussi, surtout, je pense que j'ai aussi insisté sur le fait que Christophe Clenet ne pouvait pas traiter toutes les disciplines sportives, et donc il fallait qu'on ait un certain nombre de partenaires et élargir le nombre de partenaires au maximum pour pouvoir avoir un programme d'envergure. Voilà. Donc en fait, cette journée de lancement, c'est qu'une première étape. Hein. Donc c'est une aventure qui s'annonce passionnante entre sportifs de haut niveau, fédérations sportives, des scientifiques qui sont issus de plusieurs établissements, et j'espère que le nombre d'établissements partenaires va augmenter
comme ça a déjà été dit. Voilà, donc je souhaite à toutes et à tous bon courage, bon travail. Je pense qu'après la journée de lancement, c'est le temps de se mettre au travail. Et j'espère voir beaucoup de nouveaux témoignages de réussite et puis de progrès faits dans la compréhension des différentes disciplines sportives et puis dans l'amélioration soit des équipements, soit de l'utilisation des équipements. Donc j'espère qu'on aura une nouvelle journée qui permettra de faire une étape et voir un petit peu quels sont les progrès qui ont été faits. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vous remercie vraiment pour avoir participé à cette journée. Et je vous rappelle qu'il y a une collation, hein, c'est Christophe qui me demande de dire ça, il y a une collation qui est prévue dans le salon d'honneur, donc dans lequel nous étions entre midi et deux. Et je pense que cette collation vous permettra de poursuivre certaines discussions, donc vous êtes attendus encore pour une dernière collation. Voilà, je vous remercie. Ah voilà. Au travail. Voilà. Bon, ben ça a été. Merci beaucoup.